Oui, c'était normal que j'étais mute, j'ai été bête. Alors, je vais redire. Désolé pour l'insulte qu'il y avait. Parce qu'il y avait une insulte cachée dans comment on dit, dans mon orthographe d'écriture du nom du jeu. Déjà, désolé pour ça, parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Et du coup, on va jouer, hein, mais voilà. C'est important quand même que je m'en excuse. Et que j'espère que vous acceptez. Bref, tout ça pour dire. On va jouer à Astronir, on a des trucs à faire. Je sais que pas grand monde aurait peut-être checké et vu, mais je pense que c'est quand même nécessaire de le dire quand on fait des bêtises. Bon, le jeu par contre, Nick et moi. Hein. Il est de temps. Il me fatigue. Bah merci. Ouais, je me doute que si j'en parle, c'est vous allez voir plus. Je suis désolé de ce que j'ai fait. Mais je préfère le dire quand même. En général, je me doute que c'est ce genre de truc-là où en fait faut pas en parler. Mais bon, ne pas en parler, c'est pas le mieux non plus, je trouve. Savoir s'excuser, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas grave, quoi. Peut-être d'autres le verront et je préfère m'en excuser maintenant. J'ai un problème de affichage de. J'ai vu qu'il y avait le curseur à chaque fois. Moi, je veux pas qu'il y ait le curseur. On va remettre Radio Garden. On était sur. Ah, pardon. Ah oui, si je bouge de ce côté-là. Ça, c'est mieux. Press play. Je vais voir à quel endroit ça passe. Radio, ok. Du coup, on était à Browse et on était à Rartung, je crois, et on était à Lagos. Non, c'était peut-être pas Rartung, c'était pas pas Radio Diaspora, Musical Roots. On était en train d'écouter Musical Roots et on a fait. Alors, on était à Lagos. Que ça passe au bon endroit. C'est un peu fort. Ça passe au bon endroit, ok. J'ai réussi à le lancer en plus sur. Bon, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. On va devoir aller chercher déjà du composite. On a. Alors j'ai réfléchi, il faut qu'on récupère des rallonges parce qu'on va devoir aller dans le trou et que les rallonges, on va en avoir besoin. Et autre chose, on va devoir récupérer aussi. De la résine. Désolé pour. Désolé pour la montagne, hein. L'oxygène. Alors oui, j'ai dit c'est Lagos, c'est à Lagos au Niger, c'est Lagos Jump Radio. Donc on a besoin de lumière, donc on va faire une lumière, examiner. Je crois que c'est peut-être là les lumières, c'est peut-être dans les petites. On va en faire deux, au moins pour que j'en ai sur moi.
Ah, il faut du cuivre. Ouais. Je sais pas où on n'a pas encore trouvé du cuivre. On va faire 100 hein, pour le début. On met en question mon projet. On va devoir prendre cette lumière là. Rallonge. Là, du coup, on n'a pas besoin tout de suite. On a besoin surtout de ça en fait. Ah, mais il en reste là? Attends. L'acheminement d'énergie. Et ça, c'est d'oxygène. Ouais. Ouais. Nous, on a surtout d'oxygène là besoin. On va faire ça plutôt. Ah, c'est peut-être dans mon dos que je peux faire les petites. Comment on rentre dans le. Faut que je regarde les raccourcis. Alors, avancée droite, non, non, paquetage, A, catalogue, tab. Voilà, rallonge, composite. Ah, mais faut que je débloque. Lol. Bah, du coup, on va débloquer tout. Hein. On va débloquer petit. Emballeur. Objet de construction de base, emballe les objets pour faciliter le portage et le transport. C'est pas mal ça. Bloc de terrain plat, crée un terrain. Ça, j'ai jamais fait. Tapoteur produit des ressources à partir de cibles. Topoter. Tapoter. Salut Fred. Des rallonges. Donc du coup ça on l'a débloqué. Filtre d'oxygène, on l'a débloqué. Réservoir d'oxygène, on n'en a pas encore. On n'a pas assez de points. Balise, on l'a débloqué, mais on l'a pas fait. L'éclairage, on l'a débloqué. Bâton lumineux, c'est pas mal. Ça peut nous aider. On va peut-être débloquer ça. Ah, mais après, c'est 350. Projecteur, 2000. Peut-être qu'on va attendre 300 points. On va débloquer ça après. Pile, ça, on en aura besoin. Petit générateur, ça peut être intéressant. On va débloquer aussi. Composite. Et c'est comment qu'on fait? Je sais pas. Solaire, ça, c'est pas mal, hein. Ça, j'en avais plein. Éolienne, c'est bien aussi. Mais là, on va avoir besoin de rentrer dans le trou. Donc, accessoire booster, voilà. Amélioration d'outils de terrain. Zinc, on n'en a pas. Pas de zinc, ça sert à rien de débloquer tout ça. Mais c'est ça qu'il faut débloquer pour pouvoir gérer le pistolet. Module de forêt, c'est pareil. Ça, il faut le module de forêt, c'est pareil. C'est la même chose dans le sens où c'est bien. Mais il nous faut des outils qu'on n'a pas encore. Il faut aller dans le trou pour ça. La dynamite, il y a de la dynamite, incroyable. Petit appareil photo. Ah ouais, faut débloquer l'appareil photo, mais on n'a pas les puces exo encore. La résine, petit klaxon trompette, on l'a pas non plus. Figurine holographique, on l'a pas. Analyse de terrain, ça c'est bien. Pas tout de suite, on n'a pas de zinc. Canner de son, réacteur à carburant solide, donc ça, c'est clair qu'on l'a pas. Ça c'est pour le, c'est pour s'en aller. Okay. Donc du coup, nous, il nous faut peut-être l'emballeur, le bloc de terrain plat, le tapoteur. La terre, bloc de terrain plat, ça peut être pas mal, ça va nous permettre de faire un truc. On peut débloquer aussi emballeur, mais on n'a pas de graphite. Verre. Il faut absolument qu'on trouve le cuivre en fait. On va prendre ça. On a de l'organique, donc on va prendre ça. Et ça, faut qu'on le débloque au prochain. J'imagine que c'est là-bas qu'il faut faire. Dans notre dos. Petit générateur. Balise. Âge. Bâton lumineux. Voilà, donc ça, bâton lumineux, il nous faut. On va en avoir besoin de pas mal. Mais ça, ça marche pas. Je pense que 2 ça devrait être pas mal les bâtons lumineux. Ça il faudrait du coup que je les mette là en vrai.
Ça, je le mets là-haut. Passe plus de rallonge. Rallonge d'électricité, bon, c'est pas tout de suite. Bâton lumineux, ça c'est bon. Aujourd'hui du coup. Faudrait qu'on finisse ce composite là parce que ça m'embête de le garder. La pile ça peut nous aider si jamais on a un problème d'électricité, mais le. Là il nous faut des rallonges. Pour les rallonges, du cuivre qu'on n'a pas. Du comp pas du composite, c'est quoi déjà? C'est de la résine? Si c'est du composite. Ah bah du coup on a. Alors, attends, attends. C'est quoi le lore? Le lore, c'est qu'on est perdu dans la campagne, dans la. On est perdu dans le. Mais non, mais c'est pas ça que je veux. On est perdu dans la. Sur Sylvia, qui est apparemment la planète où on est. Et on sait pas exactement pourquoi. Et on a une radio défectueuse. Ça, c'est le lore que j'ai rajouté. Donc là, je pense qu'on sera pas mal en rallonge. On va sauter et après, on va devoir utiliser ça. Alors, je veux juste apprendre un truc avant de descendre. Il faut que j'apprenne à faire sauter les. À jeter les. Ce que j'ai en haut au fur et à mesure. Allonge T. Okay. Là, si je fais T. Okay, ça marche. Aller chercher la fin du composite histoire que j'ai plus rien dans mon pistolet. Je sais pas de votre côté, mais perso, j'ai pas envie de sortir du lit ce matin. Mais bienvenue au club, hein. Moi je suis pas sorti du lit du tout, hein, et c'est pas qu'il pleut dehors. Hein. Voilà, c'est bon, composite fini. On va pouvoir rajouter du coup notre dernière rallonge. Là, on sera bien équipé. Et ça va être. On va pouvoir préparer notre descente. Notre descente va nous permettre normalement d'aller récupérer du. Et on est parti. Donc normalement. Il y a une grotte en dessous. C'est toujours la même chose, il y a toujours des grottes. C'est juste qu'il faut absolument qu'on puisse descendre tranquillement. Il va y avoir un trou à un moment. Alors moi j'étais obligé de sortir du lit, j'avoue. On va faire des petits arrêts de passage. Faut que je me rappelle de la distance. Parce qu'avant je le faisais enfin, de mémoire. Combien de pages j'arrivais à faire. En fait, c'est à partir du moment où ça coupe, je crois. Ah! On est arrivé dans une grotte. Là, vous avez vu, il y avait un trou. Donc. Alors, ce qui est important, surtout, c'est que les petits. Dans une grotte, voilà, il y a plein de petits trucs. Comme vous pouvez voir. Donc, on va essayer de récupérer le max qu'on peut. Mais ce qui pourrait être pas mal en vrai, c'est d'établir entre guillemets une petite base de. Mais pour l'instant, on n'a pas tout pour pouvoir le faire ça. Donc, récupérer ce qu'on peut. Bon, déjà, on scanne. Ça me donne. Voilà, ça me donne deux trucs. Ça, c'est. Ça explose. Oh! Un spécimen isolé. Oh, ça produit un truc. Attendez.
Faire attention au trou parce que c'est un coup à tomber, ça. Petite imprimante moyenne. Faut que... Mais ça, c'est une géode. Ma main. Comment je prends dans la main? Comment je prends dans la main? Boule de Noël cosmique, c'est vachement important qu'on l'ait. Hein. Vite! Pas que je m'approche de ces pentes de l'enfer. Et là, il y a ce qu'on va aller chercher, c'est-à-dire de la résine réelle. On va la mettre là. Je sais qu'il faudra la remonter de toute façon. Va essayer de garder intact les. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qui se passe? Là! Un truc qu'on n'a jamais vu. Ah, ça rame. C'est du quartz. Est-ce que le mon truc il fonctionne quoi? Yes, on peut récupérer du quartz. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Fluorescence. Ah oui, mais ça c'est une graine. Je sais plus comment on garde à la main. Bon, c'est pas grave. En fait, faudrait qu'on fasse un petit endroit ici pour pouvoir bien. Pas grave. On va aller chercher le quartz, on en a besoin. Exactement pourquoi, mais on a sans doute besoin. On prendra les. Je savais pas qu'il y avait des bonhommes de neige dans ce jeu. Bon. Prenons le quartz. Là-bas, il y a des débris et on va aller là-bas, je pense. Ça va être nécessaire. Ah, mais mince! J'ai plus de place! Regardez, mon quartz, il tombe. Prends à la main. Comment on fait pour prendre à la main? Je peux pas prendre à la main. Les bonhommes, ils sont pas dangereux. Apparemment, ils nous donnent des trucs. La main. Non? Ah, si je commence à vous ban sans faire exprès, c'est pas un problème. Bien compliqué. On va devoir se faire un chemin, je pense, à travers. Là, on fait un tour. On va faire... Désolé, on va faire un trou. Hop. Ça, c'est une direction directe, le quartz. Hein. J'ai pris trop de rallonges. Je pensais que j'allais pas en avoir, mais j'ai pris trop de rallonges. En plus, on a déjà rempli tout ça là. Poser une rallonge du coup. Il y en a qui sont à moitié vide. Vraiment... On va prendre une pleine, on va la laisser là. On va prendre celles qui sont pas pleines. Hein. Hop. C'est reparti. Non mais attendez, j'en ai aussi dans mon pistolet. Comment on va faire? Alors la technique. La technique pour utiliser le quartz, c'est de l'utiliser tout de suite. On a du quartz nécessaire. Là, y a besoin de quartz pour la moyenne. Même pas. C'est vraiment nique. C'est vraiment nique moi. Hein. Plastine, silicone. Oh non, ne me dis pas que le quartz, il faut le transformer.
Niquez-moi! Il faut qu'on fasse ça alors. La salle de recherche, composite et résine. Bah du coup on va faire ça. Hein. On va poser ça. On va chercher le composite en bas et la résine, on va aller la chercher dehors. Ah non, je suis tombé du mauvais côté! Un pistolet, il y a des monstres. Non, c'est juste un aspirateur, ce n'est pas un pistolet. Hein. Va falloir faire des allers-retours. Oui, il va falloir. Ils ont écrit que le quartz était pour faire du verre. Oui. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore trop... on n'a pas encore notre labo de recherche, donc on va faire ça en fait. J'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut aider d'avoir un labo de recherche. Là, il y a du composite. C'est mieux d'avoir des poches comme ça que de détruire la. Combien là? Même pas une. Ça qu'il est en train de me dire? Pas la prendre parce que... Alors déjà on va faire ça. Non mais arrête! On veut pas de rallonge là cette fois-ci. Je pense que ça sera suffisant. Bon, allez, on y va. Alors, c'est un jeu de mimes, on tape personne, mais beaucoup trop d'exploration pour moi. Et bien sûr, je voulais trouver l'audiobook de Écologie décoloniale pour écouter, à la base. Il serait pas mal. C'est justement pour parler de Plantation Ocean, je pense que c'est pas mal de montrer qu'une personne, ce que fait une personne sur une planète, et à quel point on détruit en fait notre espace. Voilà, vous avez compris. Alors, du coup, c'était toi qui avais besoin de ça pour ça? Ah non, moi je veux pas faire un burrito. Par exemple, un abri, ça serait pas mal en bas. On n'a pas de plastique. Salle de recherche, voilà, résine. Eh bien, on doit aller là-bas. Et ça politise le jeu vidéo, bien sûr, il faut. Donc on est à la résine, normalement ça devrait être bon. Le chemin il est balisé pour l'oxygène, je peux rester ici un peu un moment. Ah! Quartz. On a besoin de résine, je crois qu'on en a besoin de deux. La place, ça c'est la grande question. Ah mais il y a un trou! Ah mais du coup on va ouvrir là, il y a déjà une grotte naturelle. Donc ce trou là va être notre trou quand on aura un moyen de transport. Regarde. C'est bien toujours d'avoir une entrée... C'est un peu abrupt, hein. On pourra corriger ça plus tard, mais... Est-ce qu'on a assez, là? On a une. Pas assez. Un peu abrupt. On va devoir descendre pour pouvoir vérifier si c'est trop abrupt ou pas. Là, il y a le quartz, c'est bien.
Avoir du quartz à l'extérieur, c'est rare. Enfin, c'est rare. De mémoire. Ok, c'est bon, je crois qu'on en a deux. Parti. Oui, on façonne notre environnement Alors, c'était justement la question que je me posais. D'ailleurs, on va... Salut, Gouyou! Et si on meurt, il se passe quoi? Bah, on abandonne toutes nos affaires, majoritairement. Bienvenue sur Astronir, Gouyou. Voilà, on va faire une salle de recherche parce que j'ai besoin de verre. J'avais oublié qu'il fallait faire des labos. Bon, j'espère que vous appréciez parce que ça se joue en multiplayer, mais moi j'aime bien les petits jeux comme ça en mode solo. N'hésitez pas à me dire si c'est pas du tout abusé de jouer en solo. Et du coup, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore des rallonges. Je sais pas si on peut compile, mais voilà. Nicky moi. Et j'ai de la place. Je peux faire un filtre d'oxygène? Je veux un filtre d'oxygène. Je prends un filtre d'oxygène, au cas où. Ah, ça va me permettre de remplir un peu d'oxygène, j'imagine. Ah oui, c'est 80 secondes de plus, donc ça, c'est pas mal. Les bâtons lumineux, on en a beaucoup trop. Toi, t'es mal placé, toi. On va se débarrasser sur le labo. Y'a plus d'autres endroits. Je crois qu'il y a en haut, non? Je sais plus. On va pouvoir poser là, du coup, c'est pas grave. Ça, j'en ai pas besoin, j'ai beaucoup trop de rallonges, là. Un peu de la place, et là, du coup, j'ai... Avec le labo de recherche, on va devoir le placer, je crois, sur un des trucs comme ça. Mais bon, vu que l'imprimante, celle-ci, on peut l'utiliser de temps en temps. Là, actuellement, on n'en a pas forcément besoin. Je pense que le labo de recherche, on va le mettre dessus. Bah ouais, si tu veux. Alors, la question, c'est est-ce que t'en as une radio? Parce que je vous ai passé Radio Garden la semaine dernière. Enfin, il y a deux jours, deux, trois jours. J'envoie d'ailleurs Jump Radio, là, celle qu'on écoute. N'hésitez pas. Et ouais, la suite, c'est... On passe en Tanzanie, apparemment. On fait la suite. Dans l'ordre. Ah oui, du coup, c'est de l'échantillonnage. Ah oui, il faut que je mette un truc dedans. D'accord. Ça a l'air d'être en fonction. Bon, 4 minutes, c'est fait. Ok, du coup. Bon, on va aller là-bas. Hein. Ça a l'air d'être plus sympa là-bas. Non, c'est l'ordre de Radio Garden. Non, mais dites-moi, hein, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on aille en Inde, on peut les zapper. Est-ce que t'as un nom de ville particulier? Parce que, genre là, moi, je suis... Voilà, incroyablement bien, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est un échantillon, du coup, j'ai trouvé des échantillons et ça fonctionne. Compatible avec la salle de recherche. Ah, je l'ai mis dans les bras. Ouais, regardez, j'ai trouvé quelque chose. Sinon, moi j'ai en tête des noms de villes, mais bon, je suis pas très fort en géographie. Je sais pas à quoi ça ressemble, hein, mais ça a l'air magnifique. Belle bestiole, hein. J'aime bien la musique en tout cas, là c'est pas mal. Faudrait qu'on fasse une plateforme. Je sais pas si on peut faire des plateformes là. Comme ça on en aurait deux, on pourrait enchaîner directement. Plateforme, requête, réseau. Ah, il faut de la résine. Bah ça tombe bien, on va faire ça. Ah non, mais exo, ça c'est pour envoyer quelqu'un.
Il nous faut juste une plateforme, grande plateforme, voilà, donc 3 de résine. Il nous faut une deuxième grande plateforme pour qu'on puisse... Ah, je pensais qu'on allait rester dans la grotte, mais non, bon, bah, c'est pas grave. Non, 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 mais moi je suis pour qu'on... Normalement, c'est pour qu'on choisisse aussi ce qu'on a envie, hein. Allez, je saute. Ah! Peut-être que je vais mettre une liaison ici quelque part quand même. Hein. On va mettre des endroits où on peut descendre. Là, c'est un coup à mourir, ça. Là, on est du côté du quartz, c'est plus du tout de la résine. Hein. Là, il y a de la résine. Je crois que ça a l'air d'être dans le rouge, hein, la résine. Le vert, c'est l'organique. En fait, c'est un mélange de rouge et de... Voilà. On en a une, je crois. Ouais. Ah, peut-être pas là. C'est un mélange de rouge et de vert. Faudra se rappeler, parce que c'est comme ça qu'on retrouve les endroits où on peut... Une galère, on trouve que c'est pas une poche en fait, là on est en train de détruire la moitié de l'âme du monde. La Chantanour FM, ok, je vais aller mettre ça. N'oubliez pas, on a une radio défectueuse, on capte la radio terrestre, c'est un problème. N'hésitez pas à proposer vos choix. Je vais à la base et je change. Normalement, le labo de recherche, il a fini là, au bout de 4 minutes, c'est bon, non? On est où? 3 secondes? Bon, ok. On change la radio. La radio, je vous rappelle, c'est ici. Ah mais j'ai le droit, j'ai gagné un truc. Alors Chantanour. Et si vous avez pas de choix, du coup moi je vais chercher du côté de Browse. Voilà. Search. Chantanour FM. Et on est parti du côté de l'Inde. On revient dans le jeu. Et on se fait livrer. Ah, c'est des balises. Ah, c'est bien ça. Alors, ça, c'est une balise. Ça, c'est vachement important. Ça nous permet de pointer des endroits où on se dit, ok, là, c'est intéressant pour qu'on puisse s'y retrouver. Donc là, on va mettre ici pour l'instant. Et on va aller là-bas avec un octet chaud à faire fondre, réoutillage, des blocs imprimés fixes, trouve et utilise des échantillons. Bon, ça, on en a fait 2 sur 10. Découvre une salle de passerelle, on n'en est pas encore là. Imprime et connecte un petit générateur au réseau électrique. Bah d'accord, un petit générateur. Ok. J'ai l'impression que le quartz a fini, donc ça veut dire qu'on a gagné des petits octets, j'imagine. On va placer ça. Et des octets encore. Donc on va faire la plateforme. Hop, bim. Déjà ça va nous aider. Et du coup, je peux pas l'utiliser pendant qu'elle est en action. On va placer la balise.
Et je prends la deuxième proposition aussi, t'inquiète. Oui, du coup, on peut se baliser nous-mêmes, j'imagine. Mais le truc, c'est que c'est mieux de... Ah, c'est vrai que je peux courir. Regardez, je cours. Et là, du coup, on va baliser ici. Alors, le problème, c'est que c'est devenu un trou. Oh, y a... Regardez en bas! J'ai fait oi! 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 Il y a du ré... y a de la résine en bas! Incroyable! Je suis devenu un pirate! Allez hop, on met la balise. Ah oui, du coup, je peux imprimer du coup peut-être sur moi-même. Petit générateur. C'est ça, hein? C'était ça qui était demandé ou pas? Je sais même plus. Dites-moi si c'était ça, hein? Sinon j'imprime là, j'ai du composite. Youhou! Allez, on est parti, hein. Il y a de la résine en bas. Regardez! Trop bien. Bon, par contre, pour remonter, ça va être une galère. On va prendre notre temps pour descendre déjà. Oh là 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 là. C'est un trou. Alors moi j'ai une technique pour pouvoir faire pour pouvoir réussir à descendre bien. Pense que cette grotte elle est liée aux autres. Il y a une technique pour pouvoir faire une bonne descente. Vous avez le choix. Soit vous sautez et ça fonctionne. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire vous creusez un endroit. Et vous faites une descente en colimaçon en fait. Et en vrai, pas mal, parce que ça me permet d'être sûr de l'endroit où on tombe, entre guillemets. Si vous trouvez un trou en soi, c'est un peu problématique. Ah, voilà. Hop, là, je suis descendu peut-être un peu trop abruptement. Donc là, par exemple, on sait qu'il faut qu'on est encore à quelques mètres du sol, donc on va tourner dans l'autre sens. Ah! Je suis coupé de l'oxygène! Je t'ai vu rallonge! Ah! Ah! Mais je suis vraiment coupé de l'oxygène! Que s'est-il passé? Voilà, c'est mieux. La rallonge qui s'est barrée. Ah, mais! Ben voilà, on a fait la liaison avec l'autre grotte. Comme vous avez pu voir, on voit d'autres rallonges. Ça veut dire qu'on est déjà dans la même grotte que tout à l'heure. Que là on serait pas mal. Regardez, il y a... Ouais, c'est bon. Donc là, ça fait notre deuxième arrivée dans la même grotte. C'est pas incroyable hein, comme truc, mais... On a vu qu'il y avait de la résine quelque part dans le coin. Donc on va aller la chercher. Ah oui, toujours récupérer des octets sur le chemin, hein, bien sûr. Bim. Ils ont dit qu'il fallait en récupérer 10. Ça nous permet d'aller plus vite. Ah. Ça nous permet d'aller plus vite sur la découverte des trucs. Je crois que la chambre de... En fait, elle est séparée totalement, la chambre de la résine avec celle du quartz. Ça va pas illogique, mais va falloir qu'on se balade du coup. Surtout ne pas perdre le chemin. Ça, c'est un truc qui se passe assez rapidement. Perdre le chemin. On a gagné un truc en plus. Là, il y a de quoi trouver encore de la vraie vie. La chambre de résine est là-bas. Logiquement, notre trou, il doit être quelque part ici. Ouh là là. Ouh là là, il y a un trou là. Immense. Eh, mais j'ai plus d'oxygène. Vite, on se barre. Ah, ma rallonge. C'est bon. Je veux dire qu'on peut sortir de l'autre côté. Hein. Alors je vais vous montrer ça parce que ça c'est important. Ça c'est voilà une aide de recherche exo. Donc ça si on arrive à l'ouvrir. Alors c'est très particulier comme ouverture. Je vais essayer de vous montrer. C'est juste qu'il faut trouver la bonne ressource pour l'ouvrir. Là par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Parti. Pas le quartz. Ouais, mais le composite, si je le claque maintenant, c'est mort. Il y a le symbole sinon à trouver, mais bon, je. Voilà.
Donc la résine est là-bas. On va aller chercher la résine. Mais non! Ah non, il y a un trou en plus là! Non! Bon, on va faire un truc déjà, on va lier ça. Ça c'est pas mal. Ça veut dire qu'on a notre chemin. Ok, maintenant. Là, il y a beaucoup trop de trous ici. Ça me fait peur. Faut qu'on puisse faire une sorte de petite passerelle. On va faire une passerelle ici. Mais il y a un vaisseau là. Non, alors c'est pas exactement un vaisseau, c'est un d'autres bouts de capsule de survie. Parce que nous on est une des personnes qui a réussi à survivre, mais on n'est pas forcément le plus calé, hein, bien sûr. Alors on va aller voir ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Il y a un débris. Là il y a un truc, filtre d'oxygène, ça peut être pas mal à avoir en plus. Fasse attention parce que là il y a un trou vraiment un peu énervé. En face de la place. Vite! Non. Mais je me rappelle pas qu'ils étaient aussi chiants que ça, les quartz là. C'est pas possible cette histoire. Salut Raving Bell! J'ai trop de quartz. On va devoir monter, hein. Ou lâcher nos quartz quelque part. Va falloir se rappeler à chaque fois de par où on est arrivé, ce qui est compliqué. Maintenant, c'est le même endroit. On va montrer un truc aussi, la boule cosmique, là. Boule magique! J'espère que tu vas bien en tout cas, Raving Bell. Nous ça va, hein. On survit, on trouve du quartz alors qu'on en a pas besoin. On a trouvé une boule cosmique, regarde, c'est joli. Hein. Je crois que ça peut être une map, mais juste, je crois qu'il y a. En fait, j'ai parlé de map il y a 2 jours, mais je crois qu'il n'y en a pas en fait. Et en vrai, j'ai pensé. Ah bah tiens, on a. Notre arrivée de plateforme. Là, ça sera à vérifier aussi après. J'avais échappé de peu à la migraine hier. Je prends la petite victoire, bravo. Je te fais un chouchout en passant. Alors ici, ça va. Disons que ça va, mais... J'ai l'impression que mes priorités sont un peu perdues, là. Je crois qu'il va falloir que je fasse... Et le truc, c'est que j'ai pas la résine pour le faire. Donc on va aller changer la radio, parce que tu nous as proposé autre chose, Strega. Mais on a des rallonges encore. Mais on en a trop. Je pose ça ici, hein. Regardez, j'ai fait trop de rallonges. Le jeu m'en donne en plus. Remarque, j'ai claqué toutes mes rallonges. Peut-être que ça serait pas mal d'en avoir. Je suis en train de remarquer. Il m'en reste une. Ah non, ça c'est le filtre à oxygène. Donc c'est vraiment, j'en ai plus rien à faire. Allez, on prend des rallonges, hein, parce qu'on sait jamais. Je te donne des quartz en échange. Bon, c'est le bordel. Ça y est, ça commence à être le bordel. Je mets des choses par terre. Non, celle-ci elle est pas mal musicale. N'hésitez pas à changer si vous voulez, mais ouais, celle-ci elle est bien. Stockage moyen. Donc c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut stockage moyen. Donc du coup, il nous faut la résine. On va aller chercher la résine.
Youhou! Voilà, petite glissade pour la fin. Youhou! La résine, elle est pas par là, elle est de... Ah non! Ça c'est dangereux ça. Elle est là-bas, et notre passage il est par là. Faut que je le signale que c'est le passage ici. On esquive ce squat là, c'est vraiment l'enfer. Du verre. Objet de recherche. Le mauvais truc, j'appuie sur R. Je crois qu'on a bien esquivé. Il y a de la résine là-bas. Ah, il y a des champignons là. Je crois que la résine, elle est là-bas. Hein. Là, il y a un trou quelque part ici. Ah, on est déjà en dehors de la portée de notre allonge. Ah, le champ de résine. On va ouvrir ce passage pour qu'on voit bien que c'est un champ de résine ici. On peut mettre un labo dans la grotte, mais pour l'instant, c'est mieux de l'avoir à l'extérieur. T'as raison. Logiquement, il faudrait. Il en fallait deux, je crois. Moi, j'aime bien. On va augmenter d'abord notre aspirateur à poussière. Hein. Là-bas, il y a un truc aussi. On va peut-être aller checker. Surtout bien sûr creuser hein, bien sûr. Pour pouvoir au cas où vous faire tomber, bien entendu. Tout est préparé pour ça. Hein. On meurt à un moment. Je pense que la résine on est bon. On va faire une remontée dans pas longtemps. On va juste aller vérifier ce qu'il y a là-bas. Arrête avec ça. J'appuie sur. Du carbone, très bien, on prend le carbone, ça c'est très important le carbone, je pense qu'on va en avoir besoin. Le débris pour l'instant on n'est pas là. Débris pour ouvrir l'astropoïde quoi. Ça c'est juste pour nous dire les informations, on s'en fout. Ça c'est un débris de truc. Regardez le chemin et on suit les rallonges. Pourquoi l'augmenter? Tu trouves qu'il ne creuse pas assez? En fait, non, c'est parce que ça fait du plat. Si tu l'augmentes, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de trouer. Moi, c'est ça que j'apprécie dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, tu peux ne plus toucher à la destruction de ta planète, en fait. Prends l'ordinateur. Ouais, et du coup... Et du coup, ouais, en fait, tu te retrouves plus à te retrouver potentiellement à mourir toutes les 6 secondes. Tiens, on va pas scanner parce que j'ai pas scanné. On va remonter. La musique, c'est le jeu ou c'est toi? C'est moi. Du coup, c'est la radio. Vu qu'on a une radio défectueuse, bizarrement, on capte la radio terrestre, mais alors c'est un peu aléatoire. Apparemment, il faut que le chat choisisse. Pour pouvoir avoir une radio, capter une radio différente. Et il faut qu'on passe à l'endroit de mission pour pouvoir la radio, quoi. Faut juste que je meure pas sur le chemin. Du coup, on a tout ça. Est-ce que t'as fini ta salle de recherche?
1 minute 52. Bah, ça sera après. On nous avait dit quelque chose. Je sais plus c'était quoi. Un petit générateur, non? Il n'y avait pas une histoire de comme ça? Coche cosmique, non. Salle de recherche. Plateforme de requête, on va pas la faire. La plateforme A. B, c'est mieux. Salle de recherche, on l'a déjà. Qu'est-ce que tu nous proposes? Stockage moyen. Le stockage moyen, oui, il faudra le faire, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Petite bonbonne, non. Éclairage, on peut pas. Et toi, tu nous proposes burrito. Abri. Voilà, donc là, il faudra le faire l'abri quand on aura du plastique et du silicone. Mais il nous a dit un truc. Découvre une salle de passerelle, on l'a pas fait. Découvre une unité d'aide de recherche exo, on l'a pas fait. Débloque un prime et fixe le module boost à l'outil de terrain. Ça, il faudrait qu'on le fasse. Débloque un prime et fixe le module de forage à l'outil de terrain. Donc ça, c'est des trucs qu'on réoutillage. Débloque un prime un four de fusion, ça, on l'a pas fait. Raffine de l'aluminium à partir de latérite, on l'a pas fait. Obtient 2000, on n'en est pas loin. Problème de taille, générateur au réseau électrique. Okay. Les générateurs, juste. Eh bien, la radio, hein, ouais. Batterie, imprime, génère suffisamment d'énergie pour soutenir tes projets. Imprime et connecte un petit générateur. Donc là, le petit générateur, c'est sur moi, je crois. Personne qui parle en français, ça gâche tout. Ok. Bien mes projets. Donc le petit générateur, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut le mettre en bas, je crois. Je sais pas pourquoi il est par terre. Et je sais plus comment on fait. Ah oui, j'ai des piles. C'est vrai que bon, je le balance là. Hein. Ça, tout à l'heure. Quelque chose qui a été fini. Ah non, mais il récupère les trucs à côté. Engin de malheur, rends-moi mon. Mais le quartz, on l'a déjà récupéré. Tu vas pas checker tout, hein. Moi je veux ça. Hein. Quoi ce truc? Ah, là, tu vas avoir beaucoup de trucs, merci. Donc du coup, j'ai cru entendre qu'il y avait quelque chose qui était arrivé. Ah mais ça, il faut le faire aussi, objet de recherche, là, bim. Au réseau électrique. Ah, c'est juste ça? Bon d'accord, attends. Ça a l'air compliqué ce jeu. On peut jouer à plusieurs Ringing Bells si tu veux savoir. Et ouais, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste que les machines... Voilà. Pas si compliqué que ça, moi j'aime bien le jeu. D'ailleurs, ça fait un an que j'y avais pas joué. Même plus d'un an. En fait, j'ai fait une partie. J'ai fait une partie où je pouvais partir de la planète. Et voilà. C'est bon, je peux récupérer maintenant, je vais le mettre en bas. Voilà, maintenant je veux. Non. On va le mettre en bas. Après. Là, il y aura des piles, ça va nous aider. C'est quoi ça? Petite batterie. Ah oui, mais c'est ça, ça c'est bien ça, la petite batterie, ça fait des piles. Mets-le là. Tu veux faire le carbone? Non. Pas envie que tu fasses le carbone non plus en vrai. Donc vous voyez là, le... Ce qui se passe, c'est que en fait la micropile, ça va rajouter en fait une charge, comme vous pouvez voir, je suis en train de charger là. Ça rajoute une charge. Donc du coup en fait je peux embarquer par exemple le petit générateur et le mettre en bas. Ouais, même faire une petite batterie de secours, c'est bon, nouvelle mission. Ça veut dire que j'ai encore débloqué un truc là? Ah oui. Gagner quoi? Nouvelle mission. Partiteur. Ah, j'ai dû débloquer un truc. Alors attends. Tab. Ouais, avec la petite imprimante, par exemple, je peux aller en bas.
Et t'as fait une partie de la planète, oui, exactement. On avait dit, emballeur, on s'en fiche, bloc de terrain, on s'en fiche, tapoteur. Alors nous, c'est le pistolet qu'il faut, enfin le truc de... Les piles solaires, éolien, ça c'est pas mal. La batterie, on l'a débloqué, donc ça c'est bon. Accessoire booster, voilà, augmente la vitesse. Module large. Élargis la déformation de l'outil de terrain, attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. Module étroit, attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. Inhibiteur permet de collecter des ressources tout en empêchant la déformation du terrain. Attachez-le à l'outil, ça c'est très bien. Et module alignement, calque la déformation du terrain sur la courbure de la planète. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. On va prendre ça. D'abord. Non. Balise, c'est avec le quoi? Batterie, rallonge. Inhibiteur, c'est avec quoi du coup? Avec du zinc. Nick. Produit par four de fusion. Faut un four de fusion. Oh là là. Ouh là là, ça rame. Ça va vous? Ça sera pas tout de suite, hein, purée. Et je pensais que... Oh là, ça rame. Oh, ça rame. C'est pas ce qui rame en plus, hein, parce que ça, y a rien qui change, hein. Il y a des trucs qu'on n'a pas débloqués, je comprends pas ce qui nous manque. Je reste ici en attendant, histoire que vous ayez module de forêt. Donc ça, on va peut-être pas le faire. Module de forêt 2, 3. Dynamite, non. Oh, j'aurais dû prendre l'appareil photo. Il y a des frises carrément, des frises. Attendez, je check. Ah ouais, vous de votre côté, c'est. C'est dur. Et je regarde. Je vais cacher la caméra pour voir si ça arrange quelque chose. Je pense que là c'est Radio Garden. Hein. Il n'y a pas grand chose. De... Enfin, là de mon côté. Dans le son aussi, ouais. Ah, ok. Je vais faire comme ça. Que ça va mieux si j'enlève Radio Garden. Ça a l'air d'aller mieux. Pas incroyable non plus, hein. J'ai l'impression que je suis en train de tirer sur l'oxygène, sur l'électricité. C'est rouge là. Mais d'accord. L'électricité, elle a du mal là. Hein. Alors attendez, parce que je vais juste fermer pour voir si c'est Firefox.
Ah non, mais c'est normal. Oh. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Il est pas en. Il est, mon problème de batterie d'ordi commence à. C'est normal. Là, ça devrait marcher. Mon problème de batterie d'ordinateur. Là, ça va marcher. Là. Parce qu'en fait, il se met pas en priorité. Mais c'est incroyable. Pourquoi il quitte? J'ai un problème de batterie d'ordinateur en ce moment. Voilà. Qui m'impose d'être là normalement ça devrait marcher parce qu'en fait le truc c'est que il y a il se met en économie d'énergie quoi quand j'ai mon fil qui se débranche on repart à Chantenoy hein, je précise et là ça devrait marcher mais c'est juste en fait ouais. Et je comprends pas, il s'est débranché tout seul. Bon, désolé. Chantanour arrive. Nous reste 4 minutes. On a beaucoup trop de choses dans notre sac. Ah bah voilà, j'ai pris des octets. Du coup, on va aller débloquer là-bas. Ça rame quand même, hein. Ouh là là. Parce que c'est le câble du chargement qui pose problème. Voilà le problème. Pas la batterie. Et j'en ai besoin en déplacement. Ça m'a donné quoi? Je sais même pas, j'ai même pas regardé. Donc le mystère c'est ça. Enquête à Exo Request. Je pense que ça m'a donné un truc à débloquer. Ah mais c'est grave hein. Là je rame aussi de mon côté. S'il te plaît, ordinateur. Ah mais non, mais à chaque fois il fait ça. Mais non, mais le cap, s'il te plaît. Sois sympa avec moi. Pourquoi il veut pas là aujourd'hui? Il reste pas longtemps. Faut juste que tu survives le temps. Bon. On en est où? Il planting seeds pour... être mieux comme ça pour Chantanour. On est reparti avec la musique. Bon, du coup, je sais plus ce qu'on était en train de faire. Ah oui, c'est ça, je regardais. Inhibiteur, c'est quoi? Voilà, les modules de forêt. Ah oui, inhibiteur et module de forêt, c'est ça qu'il me faut. C'est quoi? Four de fusion. Ah oui, c'est vrai. Comment on fait le four de fusion déjà? 10, ouvrir l'astroporide. Il y a tous les trucs qu'on peut récupérer. D'accord. Mais moi, je veux faire le four de fusion. Le four de fusion, du coup, ça devrait être logiquement cette grosse machine qui fait. Câble est flingué. Ouais, il s'est flingué en janvier, je crois. Je l'ai pas trouvé en fait, le four de fusion. C'est ça l'histoire. Ah mais j'avais pas vu. Mais voilà, le broyeur il est là. Abri mobile, c'est ça qu'il nous faut. Attendez, on a 2000 points là, il faut les utiliser. Ah, auto, voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. C'était ça que je cherchais. Nous on est niveau 3. Hein. On est niveau au bout du truc. Extracteur auto, c'est pas mal ça. Hein. Broyeur extra grand, c'est vachement bien. Hein. Panneau solaire. Donc on va débloquer des trucs ici. Salle de recherche, c'est bon. Plateforme de requête, c'est bon. Plateforme d'échange, grand broyeur. Ok. Grand panneau solaire, grande éolienne. Plateforme. Grande plateforme. Grande plateforme. Grande plateforme. Grande plateforme. On s'en fiche. Grande bonbonne de ressources. Stockage grand. Silo. Grand silo. Faire ça à un moment. Le buggy, on va le faire aussi. Si on a autre chose, c'est mieux. Décollage à la verticale, c'est pas mal. Ça, je savais pas qu'il y avait ça. Locomotive, wagon. Quoi, il y a des locomotives? Incroyable, une sphère récréative, on peut jouer à la balle. Salle de recherche. Donc c'est juste en haut. Four de fusion, bim! Centrifugeuse de terre, bim! Labo de chimie, bientôt! Regardez, bientôt, on gagne des octets grâce à cette grâce à ce truc. Alors du coup, c'est toi qui fais? Non.
Pour de fusion, il nous faut du composite. Eh bien... J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Hop, attendez, attendez. Pose des trucs. Aléatoirement ici. Le composite, c'est en bas. On y va, hein. J'adore comment il descend. Composite, c'est là. Youhou, le composite. Regardez, il y a plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sphalérite. Trop bien. On va faire un truc sympa dès le début. Pour nous. Pourquoi je peux pas prendre ça? Ah ouais, non, je peux faire que des trous, c'est ça l'histoire qu'ils sont en train de me dire. Je crois que la recherche, elle a bien abouti en haut, ça a fait un bruit. J'espère que ça se passe bien pour vous, parce que moi, ça se passe bien pour moi. Hein. Je crois que je suis en pleine récupération incroyable de choses. Ah! Ah! J'avais pas vu! Bon bah, je reviens. Hein. J'avais pas compris que j'étais en train de vider mes poches. Le soude le plus et le moins à la carte mère, et puis c'est bon. Mais toi, t'es quand même le loot, c'est un peu bourrin, hein. Ouais, ça rame forcément à l'arrivée de la sortie parce qu'il y a le ciel à aller chercher. On va lui donner ça parce qu'on a besoin de recherche encore. Hop. Bonjour. C'était vous le four de fusion? Il faut de la résine aussi. Ça tombe bien. Alors, je peux te donner de la résine directement comme ça. C'est deux, hein? Ou trois? Je sais même plus. Tiens, je te donne trois. Trois? 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 Non? T'en veux pas trois? D'accord. Four de fusion! Bim! On va avoir besoin d'une plateforme après. Je pense que celle-ci, elle est suffisante pour le four de fusion. Remarquez que je range merveilleusement bien cet endroit. Hein. C'est vraiment un truc de bourrin, cette imprimante grande là. Le labo de recherche, il est efficace. Il va taffer pendant longtemps. C'est bien. Peut-être plusieurs imprimantes, mais bon. Imprimante moyenne x2. Est-ce que tu veux faire un truc? Deuxième imprimante moyenne? Un peu bourrin, je pense. Le rover. Faire le siège du rover. On aura un siège. Super rangement. Eh, t'as vu, hein? Mais j'ai pas capté, mais j'ai enlevé la caméra. Bonjour, hein? Je suis là, hein? Elle est bien, la radio, ouais. On va aller chercher le reste de composite qu'on a balancé par terre. Même si on n'a pas de quoi ranger. Il y a de la sphalérite aussi. Je crois, ouais. La main, dans la main. Comment je fais pour choisir la main? Non. Allez. Les octets gratuits.
J'espère que ça se passe bien pour vous. Désolé pour la caméra, du coup je pense que ça nous aide un peu sur l'affichage. Hein. 11h30 exactement. Ah! Y a une livraison. Mon siège de rover. Ça n'a aucun sens. J'ai un siège de rover, j'ai même pas de rover. Bon, on va cacher les trucs parce que faut quand même que je fasse un moment, genre ma transmission vers la Terre pour voir si. Et, ah tiens, on va te mettre là, toi. Les rallonges, on va les mettre là. Rallonge électrique, on n'a pas mis encore, mais faudrait qu'on le fasse. Tiens, si tu veux, non, le carbone, on en a rarement, donc pour l'instant, on sait pas où ça va être. Hop, hop. Alors les emotes, c'est ça aussi, sinon. Allez, allez, petit. Ah oui, Fred, j'avais pas vu. Sinon, j'ai ça, moi. Ouais, je vais faire ça. On attend la grande, là. Il y a des trucs qu'on a fini ici. Débloque et imprime un four de fusion. Bah ça, on l'a fait. Hein. Il arrive, là. Réoutillage. Débloque et imprime le module de boost à l'outil de terrain. Mais là, ça, on l'a pas fait encore. Parce qu'on n'a pas envie de le faire. Chaud à faire fondre. Et après, raffine de l'aluminium à partir de latérite. Mais la latérite, on la trouve où? C'est ça, la question. Un dépôt, le truc. Y a rien qui... Rien qui va dans cette histoire. Mise à jour et débloque l'outil de fusion, c'est bon. On trouve de la latérite maintenant. Ah non, mais c'est une plateforme. Bon, toi, tu nous sers à rien, on a compris. Non, on en a pas besoin. Tiens. Attends. Effet du verre. Ce serait bien d'avoir les recettes que tu nous proposes, non? Non? Je verrouille ça. C'est verrouillé ou pas? On en est où dans cet truc? 417, il reste 29 minutes. Oh là là, ça sera pas tout de suite. Hein. En tout cas, on va gagner pas mal d'octets avec ça. Là, il y a de la résine, four de fusion, centrifugeuse de terre, ça serait pas mal de faire ça. Mais on n'a pas d'aluminium. On peut déjà déposer notre composite. On va déposer notre composite ici. Ça, on se rappellera de ce qu'on a à faire. En fait, voilà. Deux et un aluminium, d'accord. Le module de forêt, il nous faut du coup de la céramique, on n'en a pas. Je crois que la céramique, c'est avec le four de fusion, mais sur la terre. Le zinc. Allonge, petite batterie. Là, il y a du verre qui arrive. Filtre d'oxygène. Je sais plus à quoi ça sert le filtre d'oxygène, mais... On est 80 secondes de... Oui, mais c'est vrai que pourquoi je l'ai pas sur moi, du coup, ça, c'est une bonne question. Ah oui, mais j'ai le petit générateur, c'est vrai. Et j'ai la pile. Mais on va aller en bas, hein. Ça me sert pas à grand-chose, en fait, de les avoir, en vrai. Réfléchis. Parce que là, actuellement, en fait, j'ai... Ce serait ça qu'il faudrait que j'embarque en bas, en vrai. On va regarder. On peut débloquer. Condensateur atmosphérique, c'est intéressant. Labo de chimie, c'est ça qu'il nous faut. Céramique verte tungstène. On l'a pas tout de suite. Hein. Oulala. On trouve l'aluminium. Ce serait pas de la résine fondue, l'aluminium.
La sphalérite fondue ou du composite fondu. On va checker. De la sphalérite, voilà. On a tout mis. Il nous fait du zinc. On apprend les choses, on apprend les choses. Quoi qu'il est en train de manger. La sphalérite, c'est le zinc. Ok. J'espère que j'espère que vous êtes aussi choqués que moi. Incroyable. Est-ce que vous en serez douté? Ah non, mais attends. Et ça, c'est quoi? C'est la sphalérite? C'est quoi qui prend, là? Il nous faut une autre plateforme, en plus. Je suis en train d'y penser. Une plateforme. Ah, il nous faut des B. Parce que les A, c'est nul. Il nous faut des B. Ah, du coup, il fait pas la résine. Il fait pas le composite. Intéressant. Donc, sphalérite, c'est zinc. On a du zinc. Bah, écoute, tiens, prends... Hein. T'en faut 3, je t'en donne 3. N'a pas 3. Écoute, fais avec. La musique a décidé de s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Et donc ça marche pas. Le zinc, c'est pas mal. Mais faire quoi déjà le zinc? Rien d'ici, module de fois. Ah, si. Inhibiteur. Et voilà. Je l'ai rajouté sur mon truc. Je suis en inhibition. Le verre. Est-ce que j'ai un truc que je peux faire avec du veir? Non. Il y a quelque chose que je peux faire avec du verre? Non. Ça, ça sert vraiment à rien, je sais pas pourquoi il est là. Hein. Faire d'autres trucs, peut-être. Ah oui, il faut que je trouve de la résine, c'est vrai que j'ai... Excusez-moi, je regarde. Le verre, non. Ah non. Beaucoup de résine, beaucoup de composite. On avait dit une plateforme. Non, on avait pas dit... Ah voilà! Composite, aluminium, mais on n'a pas de... Pas d'aluminium. Par contre, on a ça, si tu veux. Résine, ça ne fait rien. On va regarder les de quoi faire à l'aluminium. Dans 2-3 ou pas hein? Non. Le verre, tu peux faire le cockpit de la rover. Je crois qu'on l'a fait. Je suis pas sûr. Bon. Est-ce qu'on ferait pas un truc genre le verre en recherche après? Je vais faire une photo. Essayer de cacher le bordel. Attendez. Tu es sur la photo, Zinc. Hop, vous êtes sur la photo là. Partez s'il vous plaît. On va faire genre on tient ça. Tiens-le. Petite photo. J'ai du verre dans mon sac. Le filtre d'oxygène, je sais pas pourquoi on l'a en fait. En vrai. Bon, on redescend. Je sais plus ce qu'on a besoin du coup pour faire... mais ah oui, c'est ça. Fallait que je regarde le catalogue. La salle de recherche m'avait dit que c'était... Quoi qu'il fallait que j'aie. C'était pas un labo de je sais pas quoi. Royeur moyen. Ah mais si c'est ça. Il me faut un broyeur. Le broyeur en fait ça va nous permettre de faire un truc. Je crois. C'est les débris. C'est les débris qui nous donnent l'aluminium je crois. Et c'est toi qui gères le truc.
Mais la musique, elle veut plus se lancer. Je relance. Désolé hein, pour la musique. Je soupçonne. Ah, c'est du fer. Pourquoi ça fait du fer? Je crois pas. Hein. L'action là ou pas? L'aluminium et la broyeuse de fer, il faut du le broyeur moyen, il faut du fer, mais j'aurais pas dû faire broyeur moyen, j'aurais dû faire broyeur normal, c'est ça? C'est ça l'histoire? C'est allé trop vite. Je crois que j'avais fait de la même chose. On peut faire du solaire si vous voulez. Éolien. Là. On va tester l'inhibiteur et je vais vous laisser là, je pense. Il y a un overboard, je savais pas. Le broyeur, en fait, il n'y a que broyeur moyen. Il n'y a pas d'autres broyeurs. Un tapoteur, mais bon. Bloc de terrain plat, mais ça on s'en fiche en fait. Oxygénateur, broyeur moyen. Ouh, faut trouver du fer. Ok, je vais aller voir si ce qu'il nous dit, mais je comprends pas. Des blocs qui impriment un four raffine de l'aluminium à partir de latérite. On n'a pas trouvé de latérite. Réoutillage, qu'est-ce qu'ils nous disent? Module de boost à l'outil de terrain, mais ça on l'a pas fait. Parce qu'on est, on est des gens comme ça, on l'a pas fait. Peut-être que je le fasse. Il a dit module de boost. Ça le module c'est à 1000. Après je peux faire avec le zinc. Imprime et fixe le module forage à l'outil de terrain. Et le module forage. Céramique qu'il nous faut. J'imagine que c'est la terre qu'il faut faire fondre. Donc on va checker. Là si on peut faire fondre de la terre. Ah, il y a quelque chose qui est arrêté. Il va nous faire du soleil. Ah non, il veut pas faire le soleil. Si. Ça, ça marche ou pas? Oui, ça marche. Alors. Carbone, ok. Le carbone fait avec... Oui, ça paraît logique. Donc, du coup, je peux mettre ça aussi. Hein. La terre. Ça, ça marche pas. Logiquement, il va aller les chercher. Là, je crois que j'en ai aussi sur mon pistolet. Ok, peut-être qu'il faudrait que je le mette là. Après, il les pose. Oui, il les prend, non? Il les prend pas. Oh là là. Que du coup, on peut déjà débloquer le truc. Pas encore. Alors, du coup, on va essayer le pistolet. Hein. On va aller en bas. On va aller chercher ce qu'il y a en bas.
apprécier cette glissade qui ne s'arrête jamais. On des octets ici. On va tester du coup notre découverte. Ah là-bas il y a encore un truc. Alors, notre pistolet, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ouais, il inhibe, donc vraiment, il y a vraiment un truc. C'est moins rapide que tout à l'heure. Mais par contre, ça doit être plus efficace dans quelque chose, je ne sais pas quoi. Ouais, c'est ça, il prend uniquement ce qu'on vise. Ok, c'est mieux. Comme vous pouvez voir, ça déforme pas. Là, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Là, ça te déforme pas tout de suite. Oh, laisser plein de trucs. Oh là là, je me respecte plus. Ah, ça rame encore. Oh non. Mais là, c'est grave, hein. Il y a des moments où ça rame vraiment vénère. Mais oh, mais il y a encore l'histoire du fil. Mais il m'en veut, l'ordi. Ouais, je vois bien que ça rame. Là, c'est grave, hein, parce que... Bah ouais, mais j'ai dit que ça allait cramer mon PC, mais... En fait, c'est le fil, là, c'est chiant. C'est juste le fil. Bon, de toute façon, on va s'arrêter. Je vous laisse la musique encore, on va s'arrêter dans pas longtemps. Je remonte et on s'arrête. Et ça bouge pour vous, parce que moi, ça bouge un peu mieux. Ouais, ça a l'air de bouger mieux aussi, ok. On remonte, hein. Désolé encore pour le ramage. Ah mais attendez, on n'avait pas dit qu'on laissait le générateur en bas? On a compris qu'on avait utilisé cette salle à un moment. Alors, la petite batterie. Ah ouais, mais il faut une plateforme, non? C'est pas une histoire comme ça? Ouais, il faut une plateforme. Oh, c'est chiant, là. Et en fait, avec la batterie, on peut déposer. Une rallonge. Ouais, parce qu'il y avait des rallonges électriques. On va aller chercher les rallonges. J'ai jamais essayé les rallonges électriques. Non, il n'est pas coupé le fil. En fait, c'est juste plié quelque part. Je ne sais pas où exactement. Ouais, là, ça rame incroyablement. Mais oh, j'en peux plus. Mais pourquoi ça change en plus? Oh, qu'est-ce qui a changé depuis que je t'ai laissé? Rien. Je te bouge plus, là. Ça marchait il y a 3 secondes. Oh là 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 là. Il m'énerve. Tout ça à cause d'un problème de batterie, hein. C'est quand même grave, enfin de batterie, de chargeur de merde. Casse la tête. Et le truc, c'est qu'en vrai, je le corrige tellement à l'arrache là, que c'est un coup à l'abîme encore plus. Bon, 2 minutes. Essaye de faire un truc bien. Mais en fait, il m'en veut. Je crois qu'il m'en veut. Genre, j'arrive à streamer et tout, et jouer en même temps. Et il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Il reste pas beaucoup de temps, donc du coup, je vais... Là, il veut pas.
Possible aussi, ouais, que ce soit le chargeur qui meurt. En fait, le fil, il n'est pas coupé, donc c'est ça qui est grave, c'est juste qu'il accepte à un certain moment. J'arrive pas. Là, il veut pas. Faire paramètre de la batterie, il reste 15 minutes, de toute façon moi je vais quitter avant. Je vais juste lui dire bah écoute boost. Si je peux y arriver, parce que déjà là il a pas envie. C'est grave, hein, parce que je vois de votre côté, c'est. C'est très très grave. Et là, je vois de mon côté, j'ai envie de pleurer. Juste d'ouvrir les paramètres, c'est l'enfer. Ah, oh, JPP! Allez, s'il te plaît, c'est juste une histoire de priorisation, là, que de batterie. C'est juste ça, s'il te plaît. 3 secondes. Si c'est possible, juste ouvrir les paramètres. C'est possible. C'est juste possible. En train de galérer pour rien, ça me fatigue. Allez, s'il te plaît. C'est très très grave ce qui se passe. Hein. Bon. Ah! Vous daignez apparaître! Non, mais moi je soude rien. Hein. Un chargeur en plus, si tu soudes et tu foires ta soudure, moi je suis nul en soudure. Hein. Moi je soude pas. Hein. Ah! Ah! Ça y est! Faut plus que je bouge. Bon, allez, là apparemment ça a l'air de fonctionner. Là, il est en train de faire finir les trucs. Il y avait quelque chose qui était arrivé, donc peut-être qu'on a assez pour faire quelque chose. Accessoire booster, non. Sais plus ce qu'on faisait en haut, mais voilà, on est monté. Je sais plus ce qu'on faisait en haut. Pourtant, c'est fun de souder des trucs. Non, 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 mais c'est fun si vous arrivez à faire du propre. Hein. Moi, j'arrive pas. Bon. Si, c'est ça qu'on voulait faire. On était remonté pour pouvoir dire que on avait le chargeur et qu'on avait besoin de cette petite plateforme-là de merde. C'est ça qu'on se disait. On va descendre cette plateforme de merde. Je crois que ça rentre, non? Ouais, ça rentre. Non, mais dans le sens où il faut faire propre, c'est-à-dire que je vais l'utiliser tous les jours. C'est un peu le problème. Si vous voulez que le stream s'arrête en plein milieu, dites-le hein, tout de suite. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Une soudure, c'est ça. Hein. On va se mettre là. Il faut juste que je pose ça ici. Là, c'est bon. Ça, c'est un générateur, donc je peux le poser dessus aussi. Là, par exemple, il est. Je peux mettre de l'organique, c'est quoi ça? Je peux faire quoi? Rien en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Source d'énergie portative qui est alimentée par les ressources organiques. Ah oui, mais oui, bon, ça c'est bien pour d'autres trucs. Donc on pourra remettre on pourra remettre un abri ici. Bon, ça sera pour plus tard. Hein. Franchement,
Tout sur YouTube. Problème, c'est pas le fun, mais la compétence, exact. Franchement, nu, bon fer. Sur YouTube, c'est bon. Un bon fer, un tube. Non, mais déjà, avoir un bon fer. Qui sait entretenir son fer? Parce qu'en vrai, je suis désolé, hein, le fer à souder, moi, tous les fers à souder que je vois, c'est dégueulasse. Et en plus, est-ce que vous connaissez les fers à souder biaisés? Qui sont de côté, là? Il a bien travaillé? Ok. Est-ce que tu veux... ça, c'est quoi? C'est un objet bizarre. Si je te donne ça, ça donne quelque chose? Ça, c'est un objet bizarre aussi, tu veux prendre? Ah oui. Bah voilà, c'est bien. Très bien, très très bien. On va s'arrêter là. Je suis désolé, mais l'ordinateur qui est en train de décéder, c'est compliqué. Et là, ça tourne bien, tu vois. Il suffit juste que le fil, il décide pas de bouger tout seul. Bon, je remets la cam. De toute façon, on s'arrête. Désolé du lag. Voilà, désolé de beaucoup de choses. On a fait pas mal de trucs. Au final, on a ça, là, le labo de recherche. Le truc de terre, là. Non, c'est pas de terre. Le four de fusion. Il nous faut une planète plateforme, une autre plateforme pour pouvoir faire l'imprimante. Et du coup, est-ce qu'on peut la faire? Et la centrifugeuse de terre, qui est, il nous faut de l'aluminium. Ce qu'on voulait vérifier, c'était ça. On va vérifier justement le catalogue, c'est tab. Donc ça, c'est pas le catalogue. En fait, nous, on veut le truc de terrain là. Comment ça s'appelle de savoir? Pactage. Ah, ça c'est bon. Outil de terrain, c'est E. Indicateur. Non, c'est pas ça. Basculer vers le menu de déformation, non. Roue des emotes. G, roue d'action, R. Et du coup, c'est pas ça. R. Ah bah là, voilà la map. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Journal de mission, mais ça, on s'en fiche. Donc, du coup, ce que moi, je cherchais, c'était surtout pour les... C'est où qu'on fait? C'est F. En fait, on a un truc avec les ressources. On peut savoir qu'est-ce qu'on fait avec les ressources. Donc, peut-être qu'il faut que je descende. Je vais checker. On descend. Et puis, il est 11h58. C'est vrai que ça pourrait être intéressant que je me barre. Fred, sinon, tu t'entraînes une heure sur des bouts de fil random. Ouais, non, mais... Je comprends, hein, l'intérêt de modifier des choses. Ça ne servait à rien. C'était pas du tout ça que je voulais faire. Moi, je veux faire ça. Vais-je mourir ici? Vous le saurez dans le prochain épisode. Et comment qu'on fait pour être sûr? Comment on se fait pour savoir ce qu'on prend? Comment on fait? Comment on a appris? Comment on apprend les ressources là? Niquez-moi en fait! Je veux absolument savoir comment on fait l'aluminium. S'il vous plaît, donnez-moi de l'aluminium. Je vais faire de la récup, ça implique de sortir. Exact. Je sais pas comment on fait pour... hein. Comment on fait pour savoir les trucs? Là, s'il vous plaît. Avancer, pactage, catalogue, tab, outil de terrain, E. C'est pas ça. J'appuie sur E, voilà, ça sort ça. Ça dit pas ce que j'ai, en fait. Ah, comment ça fonctionne? La rallonge et T, ça je sais, parce qu'il y avait un menu de déformation de tenue en main. Où est-ce qu'on sait? Fatigue. Ça me fatigue. Comment on fait pour checker là? Comment on fait? C'est pas juste on se met dessus? Déraciner pour récupérer les graines. Non? Mais on va essayer. Ça fait boum. Ça, je sais que ça fait boum. Avec l'inhibiteur, c'est maximal hein, l'inhibition. Hein. Bah, on se casse. Hein. Je sais plus du tout
comment on fait pour trouver les ressources. Rappelez-vous, hein, à un moment, on avait trouvé, sans faire exprès, à chaque fois. Et là, c'est fini. Profite un peu que l'ordinateur, il rame pas. Pour me barrer après. On fait... matériaux, oui, d'accord, mais comment on fait pour savoir que c'est du... 1, 2, 6... Comment on fait? Non mais c'est bien. C'est bien de savoir que ça, c'est ça. Mais... comment je fais pour pouvoir savoir ce truc? Pourquoi ça veut pas m'aider, hein? Ça veut pas m'aider. Le truc, il a décidé de vraiment me haïr. Oui, bah j'y vais, de toute façon. T'inquiète pas, avec la Clem Lulu, moi aussi j'y vais. Je me barre. Salut! Bon, demain, je pense qu'on va faire Astronir, hein. Vous voyez bien que je bloque dessus. Voilà. Demain, en plus, il y a Furax, apparemment. Mais, je vous envoie chez Alice Rage pour celles et ceux qui veulent y aller. Et bien sûr, résumé du stream. Bravo, Clem Lelu. Avec 2145 caractères et... Striga pour 1108 caractères et Fred pour avec 834 caractères et Raving Bell avec 356 caractères, bravo à vous. Et bon, galère du stream, hein. Merci d'ailleurs à tout le monde parce que vous avez peut-être pas vu, mais j'ai changé les objectifs en scred parce qu'en fait on est arrivé à 400. Voilà, bravo, bravo, hein. Merci encore. Du coup, j'ai mis à 500 parce que j'aime me faire des blagues. Voilà, à plus. J'espère que vous avez bien apprécié, même si c'était une galère. Salut! À demain, du coup, avec Astronir, je pense.